amour. Qui aurait cru que de jouer dans les équipes sportives du cégep m'aurait permis de rencontrer l'homme de ma vie? C'est avec tes efforts, ta patience et ton petit côté entrepreneur que le 16 février 2013, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure avec toi. C'est à cette date-là que je t'ai enfin dit les mots « je t'aime », les mots que tu attendais depuis plusieurs semaines, voire des mois. C'est à partir de ce moment-là que la complicité entre Rouen et Val-d'Or a commencé. On avait seulement 17 ans en nos débuts, on était encore des enfants, mais plein de beaux projets en tête. C'est la première fois que je vivais une relation comme la nôtre. Je croyais pas que c'était possible de se sentir aussi à l'aise que ça avec un garçon. On était un mercredi après-midi quand je reçois un appel de Gatineau, me disant que j'étais acceptée dans mon programme d'études qui commençait le lundi suivant. Une nouvelle maison, nouvelle ville, nouvelle école, aucune amie, relation amour à distance, ça, en seulement 4 jours. On n'était vraiment pas préparé à tout ça, mais malgré mes mille et une remises en question, mes chagrins, mes peurs, tu as toujours été là à me supporter, à m'endurer. Ta bonne humeur quotidienne aurait su me tenir debout. C'est pendant ces 3 années-là que j'ai vraiment réalisé que tu étais le bon pour moi. J'ai vu l'homme dévoué que tu es, qui est prêt à tout faire pour sa douce moitié. C'est pourquoi aujourd'hui, en ce 17 août 2019, après 6 ans et demi de couple, je vais m'unir pour la vie avec mon meilleur ami, mon amoureux, puis bientôt mon mari. Mon amour, aurais-tu cru qu'un jour tu épouserais le petit gars entrepreneur de Val-d'Or? Pour moi, tu n'es pas la seule à être surprise. Il faut dire que durant les 6 années et demie passées à tes côtés, il s'en est passé des choses. Pour commencer, on a pris notre retraite des Astrales Gaillard ensemble. Tu es parti à Gatineau pour étudier dans la terre, pendant que moi j'abandonnais l'école pour travailler sous terre. Ensuite, tu es revenu de Gatineau, on s'est acheté notre maison. 2 semaines après, on avait déjà un enfant, un peu poilu, mais c'était notre bébé quand même. Et aujourd'hui, on est sur le point de se marier. Je remercie encore tes parents de m'avoir accepté dans la famille comme ils l'ont fait et de me permettre de passer le reste de ma vie à tes côtés. Il y a quelques semaines, tu m'as demandé encore si j'étais sûr de vouloir me marier. Pour répondre à ta question, je ne suis pas l'homme le plus expressif dans la vie, mais tu sais que tu es la personne que j'aime le plus dans ce monde. Et aujourd'hui, je suis fier d'être là, devant toi, devant famille et amis, pour te dire oui à une vie pleine d'aventures, pleine de folies, pleine de joie, pleine de bonheur, de rire, de magie. Une vie que n'importe qui au monde voudrait avoir. Je te dis oui, je le veux. Je te dis oui aujourd'hui, demain et pour le restant de mon jour. Je t'aime, mon amour. Myriam, peux-tu prendre pour époux Jean-Philippe qui est ici présent? Oui, je le veux. Jean-Philippe, veux-tu prendre Myriam qui est ici présente pour épouse? Oui, je le veux. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi, Myriam Saint-Amand et Jean-Philippe Larouche-Leblanc, je vous déclare maintenant unis par les liens du mariage. Vous pouvez vous embrasser. J'inviterai Tommy Saint-Amand à s'avancer pour une petite surprise pour les mariés. Carité qui a mouru. Why, why, Paki, on est au qui? Ah, oupane, 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 si tu t'es là, ri. C'est une danse maori en Nouvelle-Zélande qui se fait aujourd'hui pour introduire des cérémonies, rendre sacrés des événements. Le mariage, par exemple. Days run, nights far away. See lights guide me. They show me the way. Oh, oh, oh. Take my hand. I'll lead you home. Escape our fate. Walk alone. Turn down the lights tonight. Moon's our guide. We dance, we sing, we live, we love tonight.
time away from you. I didn't think I'd make it without you by my side. Let me feel your love again. Just the two of us and we could stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is alright.